Catherine Sauvia est économiste et chercheure associée à l'IRES. Elle a coordonné avec Renoguet, chercheur à l'École des hautes études en santé publique et associée à l'IRES, un numéro spécial de la revue intitulé « Assurance santé aux frontières du public et du privé ». D'où vient ce numéro et quel est son objectif ? Alors, ce numéro est issu d'un projet intitulé « Marisa pour marché du risque santé » financé par l'Agence nationale de la recherche, qui se donnait pour objectif d'interroger les transformations du champ de l'assurance maladie complémentaire en France et en les comparant sur certains points avec le système de santé des États-Unis. Et cette comparaison a révélé les étroites imbrications entre les assurances publiques et les assurances privées des deux côtés de l'Atlantique. Elle a permis surtout d'enrichir la lecture de la politique de santé française en termes d'approche privative plutôt que de privatisation stricto sensu, c'est-à-dire une approche qui consiste à assigner aux opérateurs privés d'assurance des impératifs de solidarité, d'équité sociale, de responsabilité sociale, qui sont en général des objectifs de l'assurance publique. Assurance privée en France et aux États-Unis, quel rôle dans la couverture des dépenses de santé ? Le système de santé français, financé principalement par des ressources publiques, cotisations sociales, impôts, se distingue dans les typologies usuelles des régimes libéraux de santé comme celui des États-Unis, financés principalement par les assurances privées en dehors de quelques publics cibles. En France, les assurances privées n'interviennent qu'en complément de la sécurité sociale et ne comptent que pour 14% de la dépense courante de santé, contre 40% aux États-Unis puisqu'elles assurent la couverture primaire des individus. Mais on observe une tendance croissante des autorités publiques à s'appuyer sur les assurances privées pour améliorer la couverture financière des soins de la population. Donc, à attribuer aux assurances privées un rôle accru dans les deux pays. Quel est l'effet de ces transformations sur la solidarité en France et aux États-Unis ? Disons que ces transformations reposent sur des dispositifs publics de régulation, notamment des incitations fiscales, mais pas seulement, qui viennent renforcer les inégalités d'accès et affaiblir les mécanismes de solidarité. D'une part, parce que ces dispositifs agissent peu sur les modalités de tarification des opérateurs privés d'assurance, qui présentent un caractère anti-redistributif, et d'autre part, parce qu'ils s'adressent en général, ces dispositifs, à des salariés des grandes entreprises qui ont des couvertures bien meilleures que les travailleurs à bas salaire ou les assurés en contrat individuel. Et ce faisant, ils accentuent la segmentation des populations et des marchés et viennent réduire le périmètre de mutualisation des risques. Alors ces questions, évidemment, trouvent un écho aujourd'hui dans le débat sur la grande sécu, d'où l'intérêt des articles de ce numéro spécial pour en saisir tous les enjeux.